Bonjour à tous et à toutes, c'est Goonies, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la console Wii avec le jeu Wario Land The Check Dimension. C'est parti! Wario Time! Donc on commence tout de suite, nouvelle partie. C'est parti! Je vous laisse regarder la cinématique. Vous allez un peu comprendre l'histoire. Donc cette fois-ci, on n'est pas aux commandes du personnage de Mario, mais Wario. Donc c'est un jeu où vous allez voir que Wario. Ça y est, jusqu'à la fin du temps. Ce trésor légendaire. Ainsi que cette charmante jeune reine sont à moi. Ah, même le plus profond mépris semble doux sur son beau visage. Habitant de la dimension check, tremblez devant votre nouveau roi. Ma reine bien-aimée, soyez sans crainte, je trouverai un moyen de vous libérer. Ce petit personnage, c'est un merluf. Vous le verrez plus tard. Donc elle enlève cette sculpture, on va dire, pour l'envoyer à... Oh, regardez cette belle voiture. Pour ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, c'est exactement le même. Bonjour, il y a quelqu'un? Un paquet pour Mario, pour Monsieur Wario? C'est exactement la même voiture qu'il y a dans Mario Kart. 8 ans, sur Wii U bien sûr. Donc revoici la sculpture avec un message. Wario, j'ai un petit cadeau pour toi. À l'intérieur se cache un trésor. Puis tout de suite il veut casser. Hop. Un petit vent. Un télescope. Et le merluf qui en sort. Je vous en prie, vous devez la sauver. Un terrible pirate se faisant appeler le roi Tchèque nous a attaqué. Il a envahi notre paisible monde, la dimension Tchèque. J'ai réussi à lui échapper, mais tous mes amis ont été capturés. En plus, ce monstre a dérobé le plus beau trésor de la dimension Tchèque. Hein? Tu racontes, toi? Quoi, le trésor? Oui. C'est un sac magique, donc des pièces s'écoulent à l'infini lorsqu'on le secoue. Hein, comment on fait pour se rendre dans la dimension Tchèque? Pas dans le télescope. Vous pouvez vous y rendre grâce à ce télescope. Mais sans l'aide de mes amis prisonniers, vous ne pourrez jamais vous rester isolé dans mon monde à jamais. Vous allez nous aider, hein? Bah ouais, allons-y. Oui, allons-y. Alors, suivez-moi. Donc là, voilà, il va rouler un petit peu du cucu. Ou du popotin. Voilà, regardez bien son gros cul. Allez. On va attaquer tout de suite. Je pense faire à peu près une demi-heure, 40 minutes de ce jeu. Si ça vous intéresse de voir la suite, bah n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire. À bord de l'autobus. Donc là, bah, donc là, c'est là que vous allez savoir comment ça s'appelle. Voilà, Merluf. Monsieur Wario, bienvenue dans la dimension Tchèque. Capitaine Sirup. Mon chou, j'ai quelque chose à te dire. Trésor extraordinaire, le sac de pièces sans fond a été volé. L'auteur de ce crime infâme est un pirate qui s'est autoproclamé roi Tchèque. Ne t'affole pas, mon chou. Je connais un moyen de trouver ce brigand. Tout d'abord, tu dois battre tous les boss qui règnent sur les 5 continents de ce monde. Ah, monsieur Wario, j'ai failli oublier. Vous allez devoir trouver les emblèmes des 5 boss. Sans eux, nous ne trouverons pas le navire de Wachek. C'est là que ma reine, la reine Merelda, est retenue prisonnière. S'il vous plaît, monsieur Wario, je vous en supplie, sauvez la reine Merelda. En gros, la reine Merelda
devrait se trouver au même endroit que ce sac de pièces sans fond. Tu me suis? Moi je te suis. Alors chérie, tu penses pouvoir t'occuper de ce problème? Bah oui. Oh merci, merci mille fois. Parfait, dans ce cas, il n'y a plus une minute à ta perte, en route. Ouais bah si t'arrêtais de parler, on pourrait y aller. Et si on allait chercher les trésors sur ce navire, histoire de s'échauffer un petit peu? Quoi, tu veux t'en occuper tout seul? Tu essaies de réapproprier tous les trésors, c'est ça? Oh yeah. Si c'est ce que tu veux, pour le moment, on va se séparer. Monsieur Wario, si vous sauvez mes amis, je suis sûr qu'ils vous seront à grand secours durant votre aventure. Mais fais attention, Wario, une fois que tu as sauvé un Merluf, retourne au point de départ et vite. Si tu ne retournes pas au point de départ assez rapidement, tu nous pourras rapporter les trésors que tu as trouvés. Bon, c'est toi maintenant, à très bientôt, mon chéri. Bon courage. C'est bon, ils ont arrêté de parler? Allez. Donc là, c'est la séance d'entraînement, gros, si vous voulez. Voilà. Il vous explique un peu à quoi servent les touches de la Wiimote. Donc là, on rentre dans le tunnel. On saute. Donc là. Donc je regarde toujours. C'est pour ceux qui ont l'habitude que dans les jeux Mario, il y a des passages, on va dire, secrets. Hein, hop. Un sirop merlufien. Continue. Hop. On saute. Donc, tout est décortiqué sur les panneaux, comme vous voyez. C'est-à-dire, bah là, ils me disent 1, bah vous appuyez sur 1. Voilà. 1, 2, là, hop, voilà, il tape en sautant. Là. Ça, c'est pas mal. Voilà. Merde, le con. Il est parti, sec. Ah oui. Je me mélange un peu les pinceaux. Là, bah. On va baisser. Voilà. Là, c'est la balle. Vous la prenez, hop, avec le... Vous laissez appuyer 1. Vous tournez avec la Wiimote. Vous lâchez, et voilà. Là, on reprend. J'appuie sur 1, je tourne avec la flèche pour indiquer la direction. Et hop, ça me monte là. Voilà, un autre trésor, le ragoût dégoûtant. Si il est dégoûtant, j'aimerais pas le manger. Hop, on s'en fout. Alors... J'étais sur la tête d'un bandit l'eau. Je peux pas l'avoir ça. Hein. Hop. Donc vous avez vu qu'il y a des missions. Donc, je n'ai reçu une. Et alors? Ah oui. Non, 2, plus, en bas. Pouf. Ok. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je sais qu'il va falloir. Qu'il va falloir sauter. Comme sur l'image. Vous avez vu, il décortique tout. Voilà. Hop. Hop. Là, ça c'est un truc comme dans Sonic. Regardez bien, la rapidité. Voilà. Oh. C'est très intéressant ça. Oh oh. Les sous-sous. Là y'a rien. Non. Allez. Donc, je prends un peu de temps parce que c'est le début. Là, une petite glissade. Là y'a rien. Non. On retombe. Boum. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est la partie... par là ou de l'autre côté. Je vais quand même aller voir de l'autre côté. Je vais voir. Oh ouais. Je vais voir si je n'ai rien oublié par là. Hop, voilà. Boussole à l'ouest. Voilà, sans le vouloir, impeccable. Voilà ce que j'avais oublié. Hop, esquive. Allez hop. On avance, on avance. Donc là pareil. Oh,
Hop. Donc là, vous avez compris le... Ah. Donc là, vous voyez le dessin en haut. Je prends, je secoue. Et je délivre un Merlus. Et là, c'est là qu'il faut se dépêcher de retourner. Alors là, il vous indique avec la flèche la direction qu'il faut prendre. Hop, on va se dépêcher. J'ai pas le temps de prendre les pièces. Allez, allez. Et voilà. Et là, je suis revenu. Donc avant le temps imparti à droite, donc j'ai délivré le Merluf plus les trésors que vous allez voir en bas à gauche. Donc là, il y avait les missions, éliminer l'ennemi doré, ramasser 10 000 pièces et sauter sur la tête d'un curry. Donc on va continuer. Donc là, j'ai bien eu les 3 trésors. Donc là, vous allez le voir sortir. Avec sa petite danse là, et voilà, toujours en train de rouler du cul. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, choix de la carte. Donc là, je peux pas, donc j'ai ça. Je crois qu'il y a un magasin. Là, c'est pouvoir les magasins. D'où l'épée, il est fabriqué par les Merluf avec un amour et un mélange de 11 épices. Le cuistot du navire recommande de laisser une épaisse couche de moisie recouvrir le ragoût. Son aiguille pointe le nord, enfin quand elle n'est pas complètement à l'ouest. Bon, alors. Bibliothèque. C'est quoi ça? Ça, c'est si vous arrivez à récupérer des musiques. Donc, choix de la carte. Voilà. Entrer dans la pièce mystérieuse. Donc voilà, on est dans son magasin. La vieux Wario. Entre donc, puisque monsieur veut faire cavalier seul, je suis vient d'ouvrir la soute du pirate. Pour célébrer l'ouverture officielle, je vais te faire un prix spécial sur la carte 1, mon chou. Carte 1, c'est les mondes suivants. Entre mon chéri, aucune merveille au monde n'égale mes magnifiques trésors. C'est ici que reposent les vestiges d'une civilisation disparue, oseras-tu y aller? Donc, elle coûte 1000 et moi j'ai 4000. Donc ça va, la prochaine 50 000 c'est un peu plus... Donc on achète hein. Merci mon ange. Tu as déjà acheté ça, qui ne me dis pas que tu en veux. Bah non. Allez, on va quitter. Vous allez quitter. Oui. On va essayer d'attaquer les mondes suivants. Donc là-bas, on peut y retourner vu qu'on a une nouvelle carte. Voilà. Regardez, les nuages disparaissent. Et nous laissent accès au nouveau monde. On va refaire un monde et après je finirai, pour pas qu'elle soit trop longue, pour la découverte de ce jeu. Bon, bah on l'attaque par le début. Hein. C'est parti. 3 trésors. Terminé avant le compteur n'éteigne 2 minutes. Ramasser 25 000 pièces, sauter sur la tête de 3 bandiléros à la suite. Allez. Artefact en vrac. C'est parti. Donc là, pour l'instant, le début, il n'y a pas de temps. Mais quand vous délivrez le Merluf, bah là, il faut se dépêcher parce qu'il y a du temps. Voilà. Il y a un trésor, voilà. Donc une pièce en pierre. Oh mais oui. Oh, super.
Allez. Hop. Donc là, c'est simple, hein. Vous êtes là, vous secouez. Là, vous avez toutes les pièces qui trimballent. J'ai vu, je vois un sac là. Et je crois que là, c'est... ah non, c'est bon. On va le prendre. Hein. On peut se faire des sous. Donc 5000. Voilà. Donc là, on va remonter. J'ai vu qu'il y en avait un en bas. On va le prendre. Donc là, vous tapez juste en bas avec votre Wiimote. Ça fait l'attaque. 3000. On est toujours loin des 25. Hein. Des 25 000 pièces pour la mission. Donc là, on va continuer. J'essaie de voir si j'oublie rien, parce qu'il faut pas oublier les trésors. Donc là, on récupère toujours des pièces. 4000. Oh, un gros trésor. Avec des pièces en or, ça c'est bien. Rien. Continuez. Hein. On monte, on monte. Encore un trésor. Enfin, un sac de pièces. Et donc, Wario fait tout ça juste pour récupérer le sac qui donne des pièces à l'infini. Pour ce... Là, rien. Trésor. Lunette géante. Continue. Continue, continue. On descend encore. Là, pareil. Là, il n'y a rien. Là, on va s'amuser. Hop, je suis écrasé. Ah. Vite, vite, mes pièces, à moi. Allez. Non. Je peux pas. Si je fais ça, non, ça sert à rien. Ah, ah, un point de contrôle. Ah, je pense que j'aurais pas dû le détruire. C'est rien, non? Voilà, j'adore rien. Ah si, c'est là. Oh. Voilà. Donc, j'ai bien lié trois trésors. Crâne de cristal, comme dans le dernier Indiana Jones. Les références de merde que j'ai. Allez, encore des pièces. Hop là. On récupère les pièces. Oh, un beau diamant. Donc là, comme je vous l'avais dit. Voilà. Donc, je récupère les pièces. Avant, il n'y a rien d'autre, non? Donc là, bah, ça va être le temps 19 000 sur 25 000. Donc là, hop, faut se dépêcher, donc pas perdre de temps. Surtout que c'est en moins de 2 minutes, ça va être chaud, mais on va essayer de pas perdre de temps. Et merde. Ça va être chaud, très chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Comme vous le voyez. Voilà.
J'ai aucune mission, mais j'ai récupéré les 3 trésors. Nouveau record, voilà. On va s'arrêter là. Donc je vais revenir. Voilà. Donc j'ai débloqué le second. Je vais revenir au menu. Retour, oui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et partagez, c'est toujours cool. Et je vous dis à la prochaine.